Rebonsoir et donc bienvenue pour sur cet épisode 2 de la série Fire. Alors vous allez pouvoir le constater, il y a des petites différences avec l'épisode 1, notamment que vous aurez des sous-titres. Malheureusement j'ai pas réussi à mettre le jeu en français parce que je pense qu'il m'a pas vu. Pour un petit rappel, pour moi surtout en fait, c'est une heure que j'ai fini ma session. Il me semble qu'on débarque ici après avoir poursuivi. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, le nom du méchant c'est pas Paxton Fell, c'est Paxton Fettel. Et nous sommes arrivés à un checkpoint. Et je dois trouver. Voilà, je dois trouver le ce qui peut contrôler la porte. Un autre boost, ça c'est cool. Un boost de réflexe qui sûrement servira plus tard dans le jeu parce que j'ai pas eu l'occasion encore de m'en servir. Ça doit être la jauge qui est en bas là, enfin en bas, au milieu de mon écran donc. Et on peut voir toujours que c'est le ghetto. Hein. On peut tout faire tomber apparemment. Là, des boîtes en carton. C'est magique. Ah, attends, je voulais faire un test, ça fait deux fois que je vois des extincteurs en fait, et je vais voir s'ils ont... Ok, alors en fait les extincteurs peuvent servir de fumigène, c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on... Bon, encore des cadavres, du jus de tomate évidemment, hein. Un peu partout. Et ça je pense que c'est le jeu qui est comme ça. Donc, du coup, ça c'est le rouge, et donc on peut aller les rejoindre. Bon, après, les textures sont sympas, mais ça donne un espèce de côté un petit peu. Comment je peux dire vieux. Ah, elles sont avec. Peut-être que je me dépêche. Ah, original, je les entends, mais je les vois pas. D'accord, alors apparemment il fallait passer à un endroit spécial pour déclencher. Est-ce qu'il semblait qu'on fait un flashback hein, pour le coup? Pourquoi des petites filles? Pourquoi l'image la plus terrifiante du jeu c'est cette petite fille? Enfin, je sais pas. En fait elle me fait plutôt penser à une poupée en porcelaine qu'à une petite fille. À vérifier ce que c'est. Et donc je dois toujours retrouver je ne sais qui. Enfin, du coup mon équipe est décédée hein, je suppose. Il faut. Ah, ça c'est original. Alors apparemment le Tokimoki capte quand les lumières grésillent. Ça doit être un truc psychique peut-être. En tout cas, il y a du bordel là-dedans, alors je suppose qu'il faut aller à la soie. Tu es bien mort, hein. Vu que je sens que tu perds, là t'as pris un bain de lumière. Alors, encore. Alors, ils ont un sniper. Bah ça c'est cool. Bah c'est cool. Oui, on va dire c'est plutôt cool hein. Premier combat, pas blessé. Plutôt positif. Bien sûr, on fouille partout. Faudrait pas rater quelque chose. Ah, on entend des clics clics clics. Je sais pas si vous allez avoir assez d'oreilles pour l'entendre. Ah bon, ça tombe de là. Ouais, non, le cadavre qui tombe, c'est très rassurant. On se dit pas du tout qu'on va tomber dans un piège ou que les mecs sont juste après, juste devant nous. D'un côté, c'est peut-être rassurant parce qu'on est censé les arrêter. W, d'accord. W pour le medikit. On est juste censé les arrêter, donc bon, d'un côté, c'est cool si on est juste derrière eux, mais... Au final ça sert à rien, mais je sais pas pourquoi je sens qu'ils peuvent ouvrir la porte. Donc je disais que s'ils sont pas très loin, c'est cool.
J'aime beaucoup la loupiote à 2 cm du sol. Je sais pas quoi ça sert. Non, pas les textures sont cool. Le sang est... Ouais, c'est du sang, quoi. Je veux dire, on dirait juste qu'on a posé un tapis par terre ou qu'on a peint et qu'après on a dégagé, mais... Oh là, après, ça serait pousser le réalisme un peu plus loin que lui donner un peu d'épaisseur et faire que quand on marche dedans... Oh, encore un medikit. C'est un peu bizarre d'ailleurs parce que medikit, ça fait 2 medikits d'affilée d'ailleurs hein, qu'on trouve. Peut-être devoir jouer safe, peut-être qu'il va y avoir des ennemis. En général, si le jeu est généreux avec vous, c'est qu'il va y avoir une couille. Pardonnez-moi, enfin une couille. Un. Quelque chose de pas cool. Ah bah là c'est la porte qu'on a ouverte tout à l'heure, je suppose que la porte du coup sert à si on se pète la gueule. Si on tourne du coup... Mais après je vais dire, le chemin est assez intuitif. Hein. Encore un checkpoint, ça sent la grosse baston. Bon, bah lui au moins il en a foutu partout. Alors, pensez quand même à checker la zone hein, parce que c'est pas parce qu'on entend que dalle. Il n'y a que dalle. Toujours à même de se faire tirer dessus alors qu'on s'y attend. Survécu, mais j'ai plus de medikit. Je sais pas vraiment si j'aurais dû toutes les utiliser. Bon, hop, je récupère les armes et je m'en vais par là. On sait jamais. Ah bah voilà, un medikit et un pistolet, un petit pistolet. Ah bah du coup j'ai 2 petits pistolets. Ça c'est sympa. Je savais même pas que j'avais le petit pistolet au début, hein, honnêtement. Mais bon, 2 petits pistolets, c'est quand même sympa. Ça donne un côté Tomb Raider, mais sans les boobs. Après, je sais pas ce qui est le plus efficace contre ces mecs. Honnêtement. Ok, alors c'est par là, donc vous arrivez. C'était ballsy. Mais bon. Après, sachant qu'ils ont un avantage sur moi, ils ont des grenades. Après, s'il y a des extincteurs, je peux avoir mes chances. Mais non, mais c'est sympa. Moi, je pense qu'on est dans une usine désaffectée de détergent, hein, honnêtement. Parce que... On va avoir autant de produits nettoyants. Oui, non, c'est normal. Alors s'il y a un truc là-haut, c'est qu'il y a moyen de monter. Les boosts sont bien, ils sont facilement repérables en fait. De par leur côté flashy, fluo, tout ça. Bon, c'est juste un carton. C'est jamais, hein.
Des fois que le carton ait des pouvoirs psychiques, vaut mieux shooter dedans. Ah. Encore des ennemis. Alors là, on a le boss kamikaze. Alors, il paraît que l'intelligence artificielle du jeu était plutôt bonne. Je suis d'accord, bon, même si, ok, de nos jours on fait mieux, ça c'est sûr. Ah, oh, d'accord, j'ai retrouvé la lampe torche, du coup c'était bien X. Ah, il y a un item par terre. Ah, donc du coup, voilà, c'est ça. On peut récupérer aussi de l'armure, enfin, de l'armure, du gilet pare-balles, et on a des grenades. Les medikits se trouvent aussi sur les murs. Par contre, je crois qu'on a un nombre limité de medikits. Enfin, à mon avis, comme dans tous les jeux, ça doit être par pack de 5 qu'on va pouvoir les prendre. Ah, j'y crois pas. Ils ont même mis des distributeurs de boissons. Des fois que pendant le jeu, on a envie de se rafraîchir. Hop, on va checker par là. On sait jamais. C'est ça, c'est la pièce d'où on vient. Et donc là, je sens bien l'attaque aérienne. Non, non même pas. Vite, appelons à l'aide. Ah, on peut décrocher le téléphone. On peut composer un numéro. Ils ont pas quand même, ils ont pas poussé jusque là. Oh là, lui il est con. Et moi aussi. Est-ce que je l'ai raté? Ouais, on va y aller double pistolet. Précis quand même. Je n'ai plus de munitions. C'est cool. Bon, après, c'est sûr qu'il faut peut-être apprendre à un moment ou à un autre à être précis dans le jeu. Non, non, ils ont rien entendu. Après, je suppose que ça doit être important de se mettre à couvert, mais je sais pas si. Expliquer. Je sais pas vraiment si le fait de se mettre à couvert ou pas fait que les bots vous voient. J'en ai aucune idée. Un nouveau fusil qui a l'air d'être un fusil d'assaut. Donc on a un fusil d'assaut, une mitraillette et deux petits pistolets. Bon, c'est assez classique, hein. Je pense qu'il doit y avoir d'autres. Enfin, je pense que donc le nombre d'armes doit se limiter à 3. Donc j'en ai que 3 pour l'instant. Après, il y a des munitions partout. Thank you.
problème, c'est que je vois rien parce qu'il y a plein de fumée. Du coup, en fait, je suppose que eux, ils ont rien dans le... Ah merde, d'accord. On va repasser la mitraillette hein, parce que là, pour le coup. Parce que là, c'est juste à sortir de la porte. Par contre, il va en avoir un deuxième. Ça donnait qu'ils étaient deux. Hop. Ce flip, bordel. Ouf. Donc voilà ce que je disais, l'IA est pas si conne que ça. Ouf. Après, on va dire que le jeu est généreux. J'espère que ça... Enfin, après, je suppose que ça doit dépendre du mode de difficulté, mais... Alors, par contre, les lumières, enfin, les jeux de lumière et les ombres, ça sont assez pas mal faits. Alors là, j'ai pris la grenade de plein fouet. Forcément. Excusez-moi, j'ai des moustiques. C'est celle habitée dans le sud de la France. Bon, alors, apparemment, ils se regroupent. Je suis totalement... À savoir qu'ils ne sont pas morts tant qu'ils n'ont pas lâché leur arme. Ah. Bon, 159. Oh, bon, j'ai assez de munitions. Alors, par contre, on va finir avec ça. Je pense ici c'est une zone à peu près safe. Que j'ai tué ceux qui étaient par là. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'appuyer tout le temps sur F, enfin sur la touche pour ramasser les armes. On peut les ramasser juste en marchant dessus, ce qui évite de faire des gros déplacements. Enfin, ce qui évite plutôt d'appuyer, pardon, sur une touche. Pourquoi cette grosse tache d'huile, je la sens pas en fait. Enfin, ça a l'air très normal. Et les soldats, ils ont rouillé en fait. Alors apparemment, je risque d'avoir besoin du réflexe. Par ici. D'avoir des pouvoirs là pour me téléporter sur le toit. Alors apparemment cette mitraillette là que les autres.
dernier medikit. Bon, alors je risque sûrement de mourir bientôt. On va faire une petite sauvegarde. Non, parce que... Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Ça me fait chier d'avoir à me refaire tous les gardes. Parce que c'était vraiment pas chaud. Un checkpoint. Un checkpoint des munitions. Oh. Ça sent l'embrouille. Someone is. Ça sent les hallucinations aussi. Mais moi j'aime bien. Enfin, je trouve que l'effet poussière et papillon est sympathique. Je suis consciente que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Alors par contre, avoir l'impression de ramer du cul tout le temps, c'est pas terrible, hein, honnêtement. Je sais pas vraiment si ma vitesse de déplacement est différente. J'ai l'impression de me faire attaquer à tout moment. Bon, il a redisparu. Et les visions aussi. Someone there. Il y a un truc en tête. Ah, un boost de santé. Ça c'est cool. Ah, d'accord, j'ai pas fait gaffe, en fait c'est un boost permanent. Et oh. Ah bon bah je crois que j'ai trouvé le reste de mon équipe. Hein. On a un peu par terre et... D'ailleurs c'est étonnamment propre hein, parce qu'il y en a plein par terre et pas au-dessus, à croire qu'ils ont juste fondu en fait. Mecs sont arrivés, ils posent les pieds par terre, ils ont fait blanc, blanc, blanc. J'ai fond. Non, ça pourrait être drôle. Enfin drôle, je sais pas. C'est plus l'histoire de gamine et d'explosion là. Je suis morte, pardon. Ça va pas le faire. Ah non, bon bah du coup j'ai fini la deuxième mission. Alors pour finir les émissions, apparemment, il faut donc passer au travers d'une fenêtre. Bon bah du coup, j'espère que vous aurez pu apprécier cet épisode en mangeant une pizza ou quoi que ce soit. Et d'ici là, ben je vous dis, pouce vert, abonnement, partage, tout ce que vous voulez. Et bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Au revoir.